2024 est une année hyper importante pour Apple. La dernière fois qu'ils ont lancé une nouvelle catégorie de produits, c'était en 2015, avec l'Apple Watch, et depuis, ils n'ont pas vraiment pris de risque. Là, pour le coup, ils en prennent un gros, puisque le premier produit à sortir cette année, c'est le Vision Pro, le casque de réalité mixte d'Apple que les Américains ont déjà pu précommander, puisqu'il est disponible uniquement là-bas pour le moment. Le site a été mis à jour et on en sait donc un peu plus sur les caractéristiques. Puce M2 et 16 Go de RAM à l'intérieur. Mais le plus important, c'est l'image. On a des dalles micro OLED de 23 millions de pixels, donc ce sera supérieur à un écran 4K que l'on aura devant chaque œil, et avec un rafraîchissement de 100 images par seconde au maximum. Pour un produit comme ça, il faut une parfaite fluidité pour que ce soit agréable à utiliser. Et franchement, ça a l'air d'être le cas d'après le retour des premières personnes qui l'ont utilisé. Ce qui a l'air moins agréable, c'est le poids. Entre 600 et 650 grammes selon la configuration, ça fait lourd, ça pèse sur les cervicales, et tous ceux qui l'ont utilisé jusqu'à présent se sont plaints de ce poids. Tous, alors qu'ils l'ont à peine utilisé moins d'une heure. C'est pas franchement rassurant tout ça. Tout ne sera donc pas parfait, on pouvait s'en douter. C'est quand même la première version du casque de réalité mixte d'Apple qui permet d'afficher des applications dans notre espace réel, devant notre vision. Le but, ce sera de s'en servir pour regarder des photos, des vidéos, qui peuvent d'ailleurs être aussi en 3D travailler dans un espace virtuel et éventuellement jouer, même si là, pour le coup, Apple l'a pas franchement prévu pour. C'est pas un concurrent direct du MetaQuest, par exemple. C'est deux produits qui sont bien différents. Par exemple, avec le casque d'Apple, pas de manette. On navigue avec des gestes de la main. Grâce à plusieurs caméras et capteurs qui surveillent l'espace en permanence pour situer nos mains. Le Vision Pro a aussi son propre système d'exploitation Vision OS pour lequel les développeurs peuvent déjà proposer du contenu exclusivement pensé pour, développé pour, adapté à ce Vision Pro. Mais il faut aussi savoir que les applications iOS et iPadOS tournent nativement dessus donc, dans un premier temps, c'est plutôt une bonne chose. La richesse des applications, ça va être un des facteurs qui va définir de la. Réussite ou non de ce Vision Pro, et là pour le lancement, déjà bah on peut dire que ça commence un peu mal puisque des applications comme YouTube, Netflix ou Spotify, qui sont des incontournables, ont déjà annoncé qu'ils ne proposeraient pas de version dédiée au Vision Pro. Ils sont en guerre avec Apple, mais là, pour un nouveau produit, ça fait quand même tâche, cette absence. Par le passé, on a déjà vu des excellents produits échouer à cause de l'absence d'applications que tout le monde utilise. Donc là, Apple a intérêt à se dépêcher, à trouver un terrain d'entente avec ses concurrents. Parce que sinon, bah, ça risque de flop, tout ça, tout simplement. Avec toutes les infos qu'on a déjà aujourd'hui, je suis curieux de savoir si c'est un produit qui vous intéresse ou pas, ce Vision Pro. Moi, je le testerai peut-être quand il sortira en France, puisqu'il y a bon espoir là-dessus. Apple a annoncé que ce Vision Pro serait disponible dans d'autres pays que les États-Unis avant l'été. Donc, on croise les doigts, même s'il va falloir le budget pour. On connaît pas encore les prix en euros, mais quand on voit les prix US qui sont hors taxes, ça pique. La version 256 Go débute à 3500$. Le modèle 512 Go, lui, est à 3700$. Et pour 1TB de stockage, ce sera 3900$. Donc c'est hyper cher. Et surtout que le modèle de base, à 256 Go en 2024, franchement, pff, encore une fois, c'est le côté radin d'Apple, tout ça puisque quand on voit la taille des fichiers 4K que l'on va vouloir stocker dessus pour par exemple y accéder hors ligne, bah ça va très très vite se remplir et finalement le vrai prix de ce Vision Pro c'est celui du modèle 512 Go et enfin la boîte de transport vendue séparément à 200 dollars ça aussi c'est du Apple tout craché. Donc vraiment tout est Hyper cher pour cette première version, qui en plus de ça, je vous le disais, est quand même loin d'être parfaite. Alors, c'est sûr, ça a l'air impressionnant, super intéressant à tester, vraiment, mais euh, je pense que pour le grand public, le plus sage, à mon avis, ce sera d'attendre les versions suivantes qui devraient euh, petit à petit être de moins en moins chères. Ce serait logique, là, c'est quand même une toute nouvelle gamme de produits pour Apple, un peu comme l'a été l'iPhone à son lancement et l'Apple Watch aussi qui était euh, disponible dans des versions hors de prix. Ensuite, pour 2024, l'iPad Pro pourrait avoir une belle mise à jour au printemps. Après avoir utilisé l'OLED pour l'écran des iPhones et celui des Apple Watch, ce serait enfin au tour de l'iPad Pro d'y avoir le droit. Ça permettrait d'avoir des noirs encore plus profonds que le mini-LED, de super contraste, éventuellement un plus haut taux de rafraîchissement. Et l'iPad pourrait être aussi plus fin, puisque c'est l'un des avantages de l'utilisation des dalles OLED. Les rumeurs parlent aussi d'un potentiel d'eau en verre, ce qui permettrait la recharge sans fil, donc ça j'ai un peu fait. de mal à y croire, même si, pourquoi pas. Ce serait l'occasion de revoir un petit peu le design, on pourrait avoir une réduction des bords. Et ce qui serait intéressant, ce serait qu'a priori, Apple garderait la même taille d'iPad tout en proposant un écran un petit peu plus grand, probablement 11,1 et 13 pouces. Et enfin, bien évidemment, le passage de la puce M2 au M3, ce serait logique. Tout ça, ça devrait faire de ces nouveaux iPad Pro des machines vraiment excellentes. Mais moi, j'ai juste peur pour le prix, en fait. Puisque déjà qu'il faut avoir un besoin bien spécifique aujourd'hui pour justifier l'achat d'un iPad Pro par rapport à un iPad Air, par exemple, vu le prix actuel de l'iPad Pro. Là, avec ce passage à l'OLED sur une aussi grande dalle... Clairement le prix va augmenter et ça risque de faire très très cher. On va se rapprocher des prix d'un MacBook. On en reparlera si je le teste, ce nouvel iPad Pro. Mais plus que jamais il faudra être certain que ce soit une tablette dont on ait besoin. Sinon, pour le même prix, on trouvera des excellents MacBooks. Sinon, pour ceux qui ne peuvent pas se payer un iPad Pro ou qui n'ont tout simplement pas besoin des fonctionnalités bien spécifiques qu'il embarque, eh bien, euh, l'iPad Air, lui aussi, devrait avoir droit à sa mise à jour en 2024, avec deux tailles d'écran comme le Pro, mais par contre, pour lui, l'iPad Air, pas d'écran OLED, bien évidemment, et il resterait LCD, ce qui permettrait que le prix soit bien bien moins cher que celui de l'iPad Pro, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. L'iPad mini n'a pas été mis à jour depuis un moment, on n'a pas non plus eu de nouvel iPad classique en 2023, donc cette année, toute la gamme d'iPad pourrait avoir droit à de la nouveauté, ça serait logique. Parmi les autres sorties de 2024, on pourrait enfin avoir droit à un nouvel iPhone SE, puisque Apple ne l'a pas mis à jour en 2023 et que le modèle actuel est franchement daté niveau design, il est vraiment temps de changer tout ça. Là, ce nouvel iPhone SE devrait ressembler à un iPhone 14 et Apple pourrait utiliser la même batterie. Donc bonne nouvelle, ça serait une sacrée évolution de l'autonomie par rapport à ce qui est capable de proposer l'iPhone SE actuel, qui est quand même un petit format dans lequel Apple n'a pas la possibilité de mettre une batterie de très grande capacité. Le nouvel iPhone SE passerait aussi à l'USB-C, à Face ID pour le déverrouillage, l'authentification et les paiements à la place de Touch ID, mais aussi à l'OLED pour l'écran. Enfin, le LCD n'a clairement plus sa place sur un téléphone vendu à ce prix-là en 2024. C'est une bonne chose qu'Apple s'en débarrasse enfin. En photo, on resterait sur un seul capteur pour bien marquer la gamme. iPhone SE, c'est un capteur, iPhone classique, deux capteurs, et les modèles Pro, eux, trois capteurs. Ça resterait comme ça. Par contre, Apple utilisera évidemment un capteur plus récent que celui de l'iPhone SE actuel qui est basé sur celui de l'iPhone 8. Tout de même, quand on sait que l'iPhone SE actuel n'a même pas de mode nuit, c'est une aberration. Et là, avec ce nouveau modèle, Apple a vraiment de la marche pour proposer des nouveautés logicielles intéressantes en plus d'un nouveau capteur. Donc, euh, mode nuit, mode portrait amélioré, mode HDR encore plus performant. Il y a plein de choses à faire. Niveau prix, l'iPhone SE resterait évidemment l'iPhone 9 le moins cher vendu par Apple, mais la différence avec le modèle au-dessus serait peut-être moins marquée que par le passé. Avec un nouvel écran plus grand OLED cette fois-ci, Face ID, l'USB-C, une nouvelle puce, un nouveau capteur photo. J'ai l'impression de vous dire ça pour tous les produits dont je parle jusqu'à maintenant, mais malheureusement. Je ne serais pas surpris de voir le prix de l'iPhone SE augmenter lui aussi. On verra tout ça en temps et en heure, en espérant que cet iPhone SE il sorte en 2024, puisqu'il y a des rumeurs qui le rapprocheraient plutôt de 2025. Moi je l'espère cette année, parce que le modèle actuel, voilà, franchement je le conseille à plus personne aujourd'hui, il est vraiment dépassé, même s'il reste encore parfaitement utilisable. Cette année, ce sera aussi les 10 ans de l'Apple Watch, donc l'occasion parfaite pour Apple de marquer le coup et nous sortir un nouveau modèle avec un tout nouveau design. Plus fine, écran plus grand éventuellement, nouveau système d'accroche des bracelets par magnétisme, de nouvelles fonctionnalités pour la santé comme la détection de l'apnée du sommeil par exemple ou un bouton d'action comme sur le modèle Ultra et sur les nouveaux iPhone 15 Pro, Apple a plein de possibilités pour nous sortir un modèle qui change vraiment, un modèle marquant comme l'a été par exemple l'iPhone 10 quand il est sorti. Donc voilà, pour l'instant, rien de bien concret, ça reste des rumeurs qui, certes, sont cohérentes, mais qui sont basés sur rien de bien concret finalement, on en saura beaucoup plus au fur et à mesure que l'année avancera et que ces potentielles nouvelles Apple Watch seront présentées, ce sera probablement vers l'automne. Sinon, le casque AirPods Max qui n'a jamais évolué devrait pourquoi pas passer à l'USB type C en plus de certains petits autres changements. On pourrait aussi avoir des AirPods 4 avec de la réduction de bruit et des haut-parleurs sur le boîtier pour encore mieux profiter de la fonction Find My en cas de perte. Mais encore une fois, rien de bien certain là-dessus, ça reste des rumeurs. Apple pourrait très bien attendre encore pourquoi pas un an avant de proposer de la nouveauté côté audio. Ce qui est certain en revanche, c'est qu'on aura droit à des iPhone 16 en septembre, comme chaque année. On devrait rester sur la même logique de gamme, un iPhone 16 et un 16 Pro accompagné d'un 16 Plus et 16 Pro Max pour les grandes tailles. Mais par contre, il y aurait du changement sur les tailles d'écran. L'iPhone 16 Pro passerait de 6,1 à 6,1. 3 pouces et le 16 Pro Max de 6,7 à 6,9 pouces. Si ces rumeurs sont vraies, moi je trouverais ça super puisque j'ai toujours trouvé l'iPhone Pro Max trop gros, trop imposant, c'est pas fait pour moi. Et là, avoir un modèle Pro qui serait légèrement plus grand que le modèle actuel tout en étant plus petit que le Max, ça m'irait parfaitement. J'attends ça. En photo, on aurait probablement plus de différenciation entre Pro et Pro Max au niveau des longueurs focales tous passeraient au 120 mm, l'équivalent x5. L'ultra grand angle, qui n'a pas été amélioré l'année dernière, pourrait passer aux 48 millions de pixels et notamment profiter du mode Pro RAW par exemple. Et enfin, le bouton action, qui était réservé au modèle Pro d'iPhone, pourrait être accessible sur toute la gamme, le 16 et le 16 Pro. Donc voilà pour les principaux changements qu'on devrait avoir et dont on a aujourd'hui connaissance, même si ça reste très vague tout ça, on est loin de la sortie des prochains iPhones et je vous en reparlerai plus tard dans l'année quand on aura plus de certitudes mais je peux déjà vous dire que les nouveautés finalement il faut peut-être pas tant les attendre côté hardware côté iPhone mais plutôt côté logiciel. iOS 18 devrait apporter de vrais gros changements et ça évidemment on en reparlera aussi. Côté Mac, en fin d'année, on a eu droit à la nouvelle puce M3 dans des MacBook Pro et dans l'iMac. Donc pour 2024, on peut logiquement espérer voir cette puce M3 arriver sur le Mac mini. Une puce M4 aussi, pourquoi pas hein, Je vous renvoie à ce que je vous expliquais dans ma vidéo sur les puces M3. Je vous expliquais que la conception des puces a changé peu de temps après qu'Apple ait sorti son M3, donc un remplaçant pourrait arriver rapidement, ça serait logique. On verra tout ça en fin d'année, c'est à ce moment-là que sortent les Macs généralement. On a encore du temps devant nous pour voir tout ça. En 2024, c'est aussi possible qu'on ait une nouvelle Apple TV, mais là, euh, rien de bien excitant à part le support des euh, dernières normes Wi-Fi. Et un peu plus de puissance, voilà, ça devrait se limiter à ça. Dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous attendez le plus comme nouveauté Apple cette année. Et sinon, je vous invite à aller voir mes tests des produits actuels qui sont super intéressants. Salut